Depuis le début du Ramadan, les étudiants chrétiens ont du mal à trouver à manger pendant la journée, une situation qui visiblement crée la frustration sur certains d'entre eux. Ce vendredi matin, à l'université de Somfonia, quelques-uns ont dénoncé cette attitude des vendeuses face à leur égard. En Guinée, la scolarisation des jeunes filles est toujours un défi majeur à relever. Beaucoup de filles dont l'âge varie entre 6 et 17 ans ne sont pas scolarisées. Pour Maïmouna Cissé Diarabi, activiste, chaque année passée sur les bancs de l'école permet à une fille d'augmenter son futur revenu de 10 à 20%, ce qui participe directement au développement économique de son pays. La mangue est un aliment saisonnier très consommé en Guinée. Malgré son importance, certains citoyens se plaignent de la cherté du prix de cette denrée produite sur place. Elle demande aux chauffeurs de réduire les frais de transport. À Cancan, deux corps sans vie ont été découverts dans la matinée du mercredi 28 avril 2021 au quartier Missira. Le premier a vomi du sang en pleine prière et a rendu l'âme dans une cour en chantier. Le deuxième a été passé à table par un groupe de jeunes alors qu'il se jetait sur une jeune fille à 1h du matin. La candidature d'Aboubacar Touré au poste de président de la FEGIFOOT a été annulée le mercredi 28 avril 2021 par la commission électorale de recours réunie en saison plénière pour statuer sur ce dossier. C'est jeudi 29 avril, le candidat dessus s'est exprimé sur les démarches qu'il compte mener afin qu'il soit rétabli dans ses droits.